Coucou, mon pote-off, comment Ça va, ça va. Et toi? ça va? On t'a fait un peu patienter aujourd'hui, je suis Ouais, désolé. il va falloir que je sois bon parce qu'à cette heure-là, Mais t'es, non, t'es bon. T'as de la lumière, c'est bon, tu vois bien ta feuille que tu la as mis en lumière. haut à droite. J'ai reçu ce t-shirt ce matin. J'avais Mais rien qu'est-ce que commandé. c'est ça? Et ouais, alors regardez, hop, staff. Attends, ouais, c'est inversé. Et franchement, la matière est top, hein. À extra. À Moi, j'avais extra. rien commandé, on me l'a offert. Et Voilà, voilà, c'est pas les premiers c'était prix, hein. La mon matière, petit c'est bien. geste pour l'équipe qui travaille à nos côtés. Ouais. Donc voilà, pour les conseillers, les proches qui bossent. Donc vous avez reçu un petit t-shirt. Voilà, je fais ce que j'ai pu, hein, évidemment. Et donc c'est Alix qui s'est occupé de ça. Et donc c'est vrai que la matière est vraiment très Ouais, sympa. super, c'est super agréable. Voilà. Voilà. Et là, Stan, un Donc peu. ça, c'est pour le staff de l'Alliance Le staff, humaine et ouais. l'Alliance humaine santé internationale. Vous avez reçu donc ces jolis petits t-shirts que je n'ai pas, moi, personnellement, par Ah, exemple. Moi, je suis pas bien vu. Moi, je sais pas, je dois pas connaître les bonnes personnes. mais J'ai tu vas le l'impression. mettre en noir, toi. Tu vas le mettre en noir, toi. Non, ben non, j'ai fait tout le monde en blanc. Ah, ok. Bah, J'ai c'est fait tout le monde en l'étiquette. blanc. Ouais. Tout le monde en blanc. Alors, Alors, mon totem. oui, de toute façon, souvent quand les gens me croisent, c'est Christophe, oh, tu nous as. Avec le quantique, tu nous as réveillé, tu nous as un peu révélé des choses. Donc, on va continuer là-dessus parce qu'il y a deux mondes. Il y a le monde mental, le monde Ouais. mental. Dans ce monde mental, on va en parler très brièvement, qui est le monde actuel, quasiment tout mental, matérialiste. Comment on fait pour abolir 20 000 ans d'esclavage? Comment en fait-on? Il faut un événement mondial, occidental, principalement, où les élites, justice, police, politique, démontrent soit leur incapacité, soit leur capacité à nuire et, je dirais, à vouloir le mal des peuples en réalité. Donc cette démonstration, comment elle peut être faite par le Covid? Rien de mieux que le Covid. Ne peut révéler, n'a pu révéler toute cette merde. Donc, nous, on en a marre, c'est vrai, mais dans le monde mental, certains n'ont pas basculé, et ceux qui vont nous aider, ce sont les gens qui ont été vaccinés, et qui vont apprendre de manière sûre, il va leur falloir beaucoup de preuves, mais sûre, qu'ils ont dans les veines quelque chose de très incertain. Des mots comme le sida, déjà, qu'en général, ils ont un peu peur. Vont leur faire très peur. Et à ce moment-là, ils vont se retourner, ils vont chercher des boucs émissaires, et vous allez voir, ça va être un véritable pugilat. Pugilat qu'on va regarder, nous, avec une délectation, je dirais, coupable, puisque en réalité, nous, tout ce que nous disons, quasiment tout ce que nous disons, arrive, et jusqu'au basculement dont on avait dit qu'il serait opéré à la fin du Covid, ils embrayeront sur un nouveau. Un nouveau fait d'actualité, toujours dans la peur, etc., etc., etc. On l'a avec l'Ukraine, les journaux télévisés ouvrent avec l'Ukraine. Ça sent bon pour la fin du Covid. Je mets des guillemets parce que ça va dépendre de nous aussi. Voilà, donc c'est un révélateur. C'est un révélateur et je pense que de toute manière, dans le plan, c'est quelque chose qui fait des morts. C'est vrai, c'est une guerre qui, dans le monde mental, était le seul moyen de réveiller la Terre entière. Voilà, les élites qui sont au pouvoir nous veulent le plus grand mal et ça fait très très longtemps qu'ils le veulent. Donc, dans le monde quantique, c'est une bataille qui nous mène parce qu'en réalité, à partir du moment où Einstein a joué leur jeu et a pondu une équation qui limitait la science à une certaine limite, en fait, il a limité les choses à la vitesse de la lumière, sans parler de ce qui faisait le monde avant, l'éther. Donc, d'ailleurs, il y aura une vidéo, restez jusqu'à la fin, c'est vrai que c'est un peu long, je vais essayer d'aller condenser. Il va vous parler de l'éther et vous allez voir, c'est édifiant, ça dure 12 minutes et ça vous parlera de comment ils surfent sur ce qui existe déjà pour nous le vendre, en fait. Ça, ils savent très bien faire et c'est vraiment édifiant. Donc, une des tricheries, une de leurs fraudes. Qu'est-ce que c'est que le quantique? Donc, la matière n'existe pas. Je vais revenir dessus. La matière n'existe pas. C'est le fruit d'une certaine combinaison. Donc, nous n'existons pas en tant que tels. En réalité, nous sommes que de l'énergie. Cette énergie, nous sommes des êtres informationnels et des êtres énergétiques
plus des ondes qu'autre chose. Voilà. Alors, dans le monde, c'est quoi le monde quantique? C'est-à-dire que, je vais vous donner des exemples précis et des raccourcis, mais qui vont vous permettre de vous rendre compte de certaines choses. Imaginez une clé USB, bourrée d'informations. Mais bourrée d'informations, vous avez vraiment une encyclopédie là-dedans. Et puis, à un instant T, vous allez l'insérer sur votre ordinateur, et elle va vous donner une information en image, en son, etc., etc. Ça, c'est vous sur Terre. C'est-à-dire, vous prenez une information et vous prenez une partie de l'information. Ce qu'il y a sur la clé USB, on vous l'a imposé. Ce qui est le plus important, ce que les gens jugent le plus important, c'est ce qu'ils voient, à savoir ces images. Mais est-ce qu'il est plus important d'avoir ces images ou d'avoir toute l'information implicite dans une clé USB? À la fin, vous repartez avec la télé et l'image, ou vous repartez avec la clé USB? Vous allez repartir avec la clé USB. Parce que vous savez que dès que vous la brancherez, vous aurez affaire à tout un tas d'informations, un autoroute d'informations qui nous entoure. C'est cette autoroute qui est perturbée par les gens qu'on doit appeler nos maîtres actuellement, puisqu'ils maîtrisent, ils maîtrisent nos émotions. Ils maîtrisent les émotions de beaucoup. Alors, en quantique, il y a deux choses qui existent simplement en émotion, enfin, qui englobent beaucoup de choses, c'est l'amour et la peur. On ne peut gouverner le monde que par l'amour et par la peur. Dans la peur, il y a aussi l'incertitude, il y a aussi le doute. Donc, le jeu des élites, qui connaissent parfaitement ces règles, c'est de vous mettre toujours dans la peur, toujours dans le doute et toujours dans l'incertitude. Vous n'êtes plus maître de vous, vous n'êtes plus maître de vos émotions. À partir de ce moment-là, le seul chemin, c'est l'amour. L'amour au sens large, hein, c'est-à-dire on n'est pas tous obligés de s'adorer, mais on est au moins obligé d'avoir de l'empathie pour l'autre et d'avoir dans l'idée que nous sommes une grande chaîne de solidarité et qu'aucun ne doit tomber, alors qu'eux font tout le contraire. Donc, pour ça, il faut pas suivre aux apparences. Et je vais vous donner l'exemple d'un t-shirt. Nous arrivons sur cette terre incarnée, nue, avec une certaine proportion. Notre incarnation nous a donné une certaine proportion à penser certaines choses, du fruit d'un long parcours, d'un long chemin. Et dites-vous que au fur et à mesure du temps, vous allez enfiler un t-shirt. C'est pas le vôtre, c'est l'éducation. C'est les parents, c'est l'influence de X, Y, les médias, etc. Et ce t-shirt va déformer votre âme, quelque part. Et vis-à-vis des autres, vous aurez sur ce t-shirt, en fait, l'idée, c'est un t-shirt taché, avec des taches d'encre. Et quand on se présente vis-à-vis des autres, on a tous un t-shirt taché. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Sauf que si je viens avec un t-shirt taché, et que je laisse défiler le chat, 8 personnes sur 10 vont me dire que j'ai un t-shirt sale. 8 personnes sur 10 vont le dire environ, ou 9 sur 10 même. Or, il n'est pas sale, il est taché. Donc, mon âme est tachée par un tas de choses, parce que, de manière inéluctable, c'est l'expérience de la matière. Donc, à partir de ce moment-là, considérons les choses tachées comme tachées et pas sales. Des âmes sales, il y en a. Elles sont tout là-haut. Donc ça, c'est vraiment crasseuse, sale, dégueulasse. Hein. Mais taché et sale, c'est différent. La plupart des gens sont tachés parce qu'ils n'ont pas pu aller au-dessus de certains événements, pas surmonter certains événements, et parce qu'ils mentalisent tout, et il faut mentaliser le moins possible. Dans le quantique, on ne mentalise rien. Enfin, on essaie d'aller du cœur à la décision, directement. Pour vous donner une idée de ce que c'est que la matière, je vais essayer de le faire ici. Ici, ouais, c'est pas mal. Ici, c'est une onde. Le monde, c'est l'éther. Chaque onde est informée. Chaque onde est informée de toutes les règles de l'univers. Alors, on va prendre l'exemple d'un hologramme. Vous connaissez tous ces hologrammes, il y en a sur les billets de banque, vous savez, ces bandes-là. Alors, si vous prenez un hologramme,
il est vraiment constitué comme on pourrait dire l'univers, c'est-à-dire que l'hologramme va faire apparaître un dessin. Et si cette bande, bon, mettons qu'il y a un Indien, okay. Vous enlevez cet hologramme et vous le coupez en 100 000 morceaux. Donc du coup, ça devient imperceptible, microscopique. Vous mettez un 100 000e au microscope, va apparaître physiquement l'Indien. Ça existe, c'est-à-dire c'est un hologramme. Les petites bandes que vous voyez, si vous mettez ce que vous croyez être le 100 000e d'un dessin, donc qu'est-ce que vous êtes censé voir hein, comme un dessin normal, un 100 000e de dessin, vous allez voir dans ce 100 000e l'Apache ou l'Indien tel qu'il est en grand. C'est comme ça, ça fonctionne. Chaque onde est nourrie du grand tout. Une onde, si je fais ça, donc je soumets une énergie, alors je ne suis pas très doué, globalement, vous devez voir un cercle. Cette onde n'existe plus en tant que telle, vous voyez un cercle. Et si vous touchez, vous allez toucher de la matière. Parce que un phénomène de conscience et un tas de choses font que ces ondes-là, sur Terre, on les matérialise. Voilà. Au départ, ce n'est que ça, mais je dirais différentes choses font que, mais essentiellement la conscience humaine, font que, à la fin, ça devient de la matière et ça devient quelque chose qui est différent de ce qu'elle est à l'origine. Une onde informée. Donc, sur cette énergie, vous savez ce qui se passe, ils le savent, ils savent comment ça fonctionne, ils nous la fracassent, hein, donc avec la nourriture, les chemtrails, vous voyez que tout est fait, parce que l'avantage du quantique, si vous prenez les théories quantiques, et que vous regardez ce qu'ils font, il n'y a rien qui ne va pas, en réalité, tout est coché, ils remplissent tout le tableau pour nous manipuler au niveau quantique, et nous sommes en train de faire un saut quantique, ils ne peuvent rien y faire, ils le savent pertinemment, et ce qu'ils font, c'est freiner le truc, ils espèrent, avec leur technique, avec leurs moyens, empêcher ce saut quantique, et en fait nous séparer de notre double éthérique, celui qu'on ne voit pas, mais qui est beaucoup plus intéressant que celui que vous voyez là. Qu'est-ce qui peut changer ça? Ce qui peut changer ça, c'est un seul mouvement d'impulsion d'un certain nombre, mais dans une seule direction. Donc, cette direction que l'on voit, nous, dans les rassemblements. Vous savez, Antoine, il fait ses lives, il a souvent dit il ne faut pas aller aux manifs, ça ne sert à rien. Et moi, j'avais un avis différent. J'avais un avis différent parce que je n'avais pas le vécu gilet jaune. Et en ayant fait les manifs que je fais, j'ai vu ces gens, je sais qu'il y en a qui me regardent, j'ai vu cet amour, j'ai vu cette cohésion, j'ai vu ces sourires, et j'ai vu ces gens qui se remontaient, donc cette espèce de nouvel égrégore qui arrive comme ça, et donc jugeant là-dessus et sachant pertinemment dans mon fort intérieur que c'est cet élan d'un certain nombre qui va changer la donne, je ne pouvais qu'encourager les manifs. Une manif où on crie des insultes, où on se fait tabasser, c'est vrai que c'est pas ça. En effet, c'est pas ça qui va sauver le monde. Mais des manifs où on se réunit et qu'on est positif, alors c'est pour ça que moi j'encourage les gens à se réunir, même pas 15, pas 20, même chez eux, à parler de tout ça, à parler de manière positive, à imaginer le nouveau monde, à parler du nouveau monde, il va venir comme ça. Il faut y croire. Manif de X ou Y, on s'en fout de ça. Parce que on est des êtres énergétiques, on vient sur cette manif amener notre contribution énergétique à un mouvement. Et je pense qu'il faut avoir très peu de croyance à sa propre énergie pour dire « ouais, je ne vais pas là-bas parce que ceci, cela, un tel me j'aime pas ben, ». Tu amènes ton énergie à un endroit. Si ça ne te plaît pas, tu reprends ton énergie et tu vas l'amener ailleurs. Ce n'est pas un problème. Rien n'oblige les personnes à défiler sous telle et telle bannière. Mais s'ils s'y sentent bien, il faut qu'ils y soient de manière un peu donc, moins mentale, distanciée des personnes qui les organisent. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Parce qu'il faut bien des gens qui les organisent, malgré tout. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis pour les manifestations.
Donc, qui vivra verra, comme on dit. Mais comme on dit, qui vivra verra. Mais pour voir, faut le vivre. Donc, il faut tenter des choses. Il faut le tenter. Donc, vraiment, moi, je vois cette bataille sous un plan énergétique et un plan quantique. Et c'est ça qui va faire basculer le monde. Ce changement de paradigme, ce qui va mettre tout le monde d'accord, c'est cette nouvelle science qui est pas nouvelle, mais de laquelle on va être informé, dans laquelle j'essaye de vous informer depuis le début de mes lives, enfin régulièrement. Tant je sais que c'est la porte de sortie. Tous ceux qui passent dans ces croyances-là sont des âmes perdues pour les satanistes. C'est fini. Donc, ils savent pertinemment que le vortex amène des gens là-haut et ne les ramène pas chez eux. D'où leur excitation et leur folie. Quel est le nombre critique, je ne le connais pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau n'est pas prêt, enfin, l'humanité n'était pas encore prête pour accepter ces lois quantiques. Donc, ça arrive, ça influe petit à petit. Et sachez une chose, même dans les choses plus mentales, quand vous dites aux gens « ils ne m'écoutent pas, je leur ai dit, il y a des morts, etc., le vaccin, tout ça », et qu'ils ne vous écoutent pas, il faut continuer, parce que ça infuse sur une autre partie d'eux-mêmes. Et le jour où ils se déclenchent, c'est un déclenchement de certains éléments et de ce que vous avez dit, vous aussi. Alors, il faut continuer à infuser, des choses comme ça. Le mur de Berlin est tombé en une journée. Ce matin, on s'est réveillé, le mur de Berlin est tombé. Physiquement, il est tombé en une journée. Mais au niveau d'Egrégor, il est tombé bien avant. Ça s'est préparé. On n'a rien vu venir. Nous, on était informés par les médias traditionnels. Et un jour, il est tombé. Donc, il est tombé parce que une volonté conjuguée, un faisceau, un laser, est arrivé en termes d'énergie pour qu'il tombe. C'est ce que nous préparons au niveau mondial, c'est ce que j'essaye de vous faire passer comme message. Alors nous, avec Antoine, on est là, si on vous annonçait que des horreurs, forcément, on serait des espèces d'alerteurs, qui donnent des mauvaises nouvelles, mais on a toujours essayé d'être optimiste, parce que nous sommes optimistes. Antoine est optimiste. Moi, ce qui m'a fait aller à l'Alliance humaine, c'est que dans les gens que je regardais, Antoine annonçait les nouvelles comme tant d'autres, mais était très optimiste toujours. Et j'ai dit, mais c'est bien, parce que c'est ça que je sens, moi, c'est ça que je perçois. Ce que l'on pense être un rêve ne l'est pas, en réalité. Et si vous voulez vous projeter dans ce qui se passe de l'autre côté, vous n'avez qu'à aller dans vos rêves, enfin, regardez vos rêves, et vous voyez bien qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite parce qu'on n'est pas prisonnier du mental dans les rêves. Donc, c'est ce monde-là. Alors, on n'arrivons pas à ce monde-là dans la matière, ça, je vous le garantis. Mais c'est ce monde-là et un monde qui veille sur nous. Et chaque fait que nous accomplissons verse dans ce monde-là. Alors, on nous a imposé une science et avec des tableaux, etc. Et tout doit être prouvé, tout doit être calé, tout doit être cadré. Et ça ne laisse aucune place à l'intuition. Donc l'intuition, si vous avez un scientifique qui, au bout d'un moment, n'arrive pas par des chemins cadrés à donner une réponse, il peut le faire par l'intuition, il aura zéro, même s'il donne la même réponse. Ça, on l'a tous connu. Enfin, même dans des devoirs, on arrive à la conclusion, on arrive à la bonne conclusion, mais on n'est pas passé par le bon chemin. Vous savez, le chemin imposé. Or, tous les progrès passent par ce chemin-là. Ce chemin qui est la prise de risque, en fait. Voilà. Alors, ne restez pas timorés. La manière raisonnable de faire les choses est l'ennemi. La manière raisonnable de faire les choses est l'ennemi parce que c'est la manière qu'on nous a imposée dans le mental. On nous a dit, c'est comme ça qu'on doit faire les choses. Faites-le avec votre cœur. Faites-le comme vous sentez. Du moment que vous ne misez pas à autrui, faites-le. J'entends trop de peur comme ça. J'ai peur de ceci, j'ai peur de quoi. T'as vu, Christophe, ce qui va arriver? Ce qui va arriver? C'est rien. Ils annoncent, eux, vous y croyez encore, à ce qui va arriver, ils nous disent que des malheurs, ils nous disent que ça. Donc, il faut le faire avec le cœur, et si vous voulez, tout ce que vous faites avec le cœur, c'est un élan, boum, vous le faites. Prenez une décision, vous ne revenez pas dessus. Ce que vous faites avec la tête va être altéré quelque part. Et en réalité, les échecs des choses mentalisées vont vous créer des gros maux de tête. Par contre, les échecs des choses qui sont faites avec le cœur ne vont pas vous créer des maux de cœur. Ça va. Vous allez, je dirais,
comment dirais-je, c'est pas, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de succès avec les choses qui sont faites avec le cœur. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un échec ou un succès ? Un échec, c'est une expérience qui n'a pas donné le résultat escompté. C'est ça, un échec. Et un succès, c'est une expérience qui a donné le résultat escompté. Et à partir de ce moment-là, des gens bloquent. Et on ne va pas parler d'échec, on va parler du succès. Il y a des gens qui ont un succès, donc une expérience qui a donné le résultat escompté et qui bloque après. J'ai mon succès et ça me suffit. C'est qu'une expérience. Expérience. On ne peut pas vivre d'une expérience. Parce que ça, c'est exister. C'est-à-dire, on surfe sur une expérience qui a réussi, on fait toute sa vie là-dessus, et on ne vit plus. Vivre, c'est tenter des choses. C'est expérimenter selon son chemin d'âme. Quel est son chemin d'âme ? Je n'en sais rien. Chacun a le sien et doit le trouver. Et c'est là l'énorme problème. C'est-à-dire qu'on est tabassé de tous les côtés pour ne pas le trouver, et en réalité, il est très 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 dur de trouver son chemin. Mais si vous êtes quelqu'un de bon, qui fait le bien, et qui aime voir les gens heureux, c'est déjà un chemin énorme, et vous êtes du bon côté des choses. Dans cette guerre éthérique, c'est l'acte, parce que c'est là-dessus que ça joue, hein. Macron parle du temps de la bête, Trump de choses bibliques, des choses qui dépassent l'entendement, on va dire. Nous sommes des armes de persuasion massive. Nous sommes des armes de persuasion massive. Et c'est vrai que ça commence avec long, mais on ne fait pas tomber comme ça deux ans des dizaines de milliers d'années d'esclavage, forme d'esclavage moderne qu'on a actuellement. Donc, pour sortir de sa zone de confort, en réalité, il faut vraiment tenter que, voilà, il n'y a pas de, vous n'allez pas vous jeter dans une falaise pour détruire votre corps. Il faut tenter des choses et il faut oser. Il faut oser sortir, il faut oser exister. Alors, soi-disant, nous sommes 7 milliards sur cette planète. Nous sommes 7 milliards et donc, à partir de ce moment-là, bon, moi, j'y crois pas du tout. j'ai une fiche, parce que sinon, je vais me perdre. Hop. Hop. Donc, nous sommes 7 milliards. Sachez que chaque numéro compte. J'avais déjà expliqué, si on compte jusqu'à 7 milliards et qu'on enlève un seul numéro, c'est fini. Ça n'a plus aucune logique. Donc, toutes les personnes qui sont sur cette Terre ont un rôle à jouer. Hein. On ne peut pas enlever un numéro. Donc, la tentative de l'état profond, c'est de faire, un exemple, numéro 12, 13, 14, 15, 16, 17, un seul numéro. Voilà. Tu vas dans un panier, à la niche, coucouche, et tu vas nous obéir. Ça, c'est un déni d'humanité. C'est-à-dire que nous, êtres humains, nous sommes dotés d'une conscience, qui est de nature à changer les choses. Et c'est toute la différence avec les animaux et les arbres. On va prendre l'exemple des arbres qui puisent leur conscience, parce qu'ils ont une forme de conscience dans le grand tout, dans l'éther. Et la différence entre nous et les arbres, c'est puissante force de la nature, c'est que nous pouvons changer les choses dans la seconde. Hein. Un arbre, lui, il va changer sur la longueur. Et d'ailleurs, vous regardez dans les forêts, les arbres se font des politesses. Les plus gros arbres n'ont aucune branche qui se touche. Donc sur la durée, les arbres se font des politesses, mais n'ont pas ce réflexe, ils ne peuvent pas avoir de réflexe immédiat. Et donc, nous l'avons. Donc c'est, en fait, nous sommes en haut de la pyramide, et on peut imaginer qu'au début, tout était connecté au début, tout était connecté, et les gens se disaient que de toute manière, s'ils faisaient du mal, ils allaient verser dans l'éther du mal, et que ça leur retomberait dessus. Et il est possible que dans ce monde, tout soit bien passé, et qu'à un moment donné, il y a quelqu'un un peu plus feignant qui dit « moi, je n'ai pas envie de cultiver ma terre, et j'ai envie d'aller voler par la force, je suis costaud, à quelqu'un d'autre ses récoltes. » Et il va en convaincre un autre qui va dire « oh ben non, attention, il peut nous arriver des choses, ça va perturber l'univers, etc. etc. » Toutes les lois de l'univers, toute cette égrégore qui était parfaitement équilibrée en réalité. Et en effet, ils ont été volés les récoltes d'un autre et il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé, il a tout à vu, il ne s'est rien passé. Et ainsi de suite,
a pu s'installer, je dirais, une caste, une élite, une mafia, qui s'est dit qu'il serait plus facile de faire des raccourcis en spoliant les autres. Et toutes les secondes où ils ont fait ça, toutes les secondes, ils versaient dans l'univers quelque chose de nouveau et un déséquilibre sur lequel nous sommes encore assis. Donc, il y a une inversion à faire, une inversion des valeurs, puisqu'ils ont tout inversé. Donc, pour cela, ils sont servis après, ils ont, je dirais, standardisé les choses. Donc, il y a le niveau politique qui s'occupe de votre mental, et ils se sont dit que pour le niveau spirituel, il y aurait les religions. À savoir que dans les religions, il y a de très bonnes choses, je crois que tout est dit dans les religions. Tout le quantique est dans les religions, sauf que c'est disséminé à droite à gauche et qu'on ne les relie pas. Et on vous dit que ce sera pour plus tard. Non, c'est ici et maintenant. C'est ici et maintenant. Donc, il y a une entente, en réalité, entre politique et religieux, parce que si vous cadenassez la sphère mentale et la sphère spirituelle, vous tenez l'individu. Alors, pour moi, ma Sainte Trinité, c'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la conscience, la pensée et les croyances. C'est ça la forme quantique de la spiritualité. C'est-à-dire qu'on a une conscience qu'il faut essayer d'avoir le plus clair possible, qui va nous amener des pensées. Et ces pensées vont nous créer des croyances. C'est ces croyances qui changent l'univers. Nous sommes ce que nous croyons. Cet univers est mutant, c'est-à-dire que l'éther, le champ d'information, change toutes les secondes selon ce que font les hommes. Et là, on va parler du World Trade Center. Et je ne veux même pas m'apesantir sur le côté vrai ou faux. Vous imaginez bien que j'ai mon idée. Mais prenons le truc comme c'est les terroristes qui ont laissé leur carte d'identité, qui ont été... OK. Pour eux, c'est magnifique. Parce qu'il y a un choc mondial sur toutes les consciences. En un instant, tous ceux qui ont vu le World Trade Center, moi et l'anglais, se souviennent du moment où ils étaient quand ils ont vu ces images. Donc un choc émotionnel. Et ils ont, par là, si vous voulez, et même si ça avait été vraiment des terroristes qui l'avaient fait, ils s'en seraient servis. Parce qu'ils ont gagné plusieurs années dans les égrégores de peur et de défiance les uns envers les autres. C'est, pour eux, c'est le nirvana. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Hein. Ils même ne montrent pas la peur. Comment on peut leur faire peur? De quel événement on peut, sur lesquels on peut surfer pour qu'ils aient peur? Tout est là, tout est là. Donc ce genre d'événement, ils gagnent des années. Ils gagnent des années et ils l'entretiennent après parce que bon, voilà, c'est par l'image, par tout ce qu'on veut. Donc, nous, là-dedans, on est en fait des particules quantiques qui, par la conscience, créons l'espace, le temps, etc. C'est une création de notre conscience. Et il faut comprendre une chose, c'est que nos ondes cérébrales fonctionnent comme à la même fréquence que la fréquence de la Terre, la fréquence de Schumann, 783. Cette fréquence ne nous aide pas plus que ça, puisqu'elle met notre corps, enfin, elle met notre mental dans un état hypnotique. C'est-à-dire que nous naissons avec cet accord de fréquence cérébrale-terre dans un état hypnotique. Alors, pourquoi ? Moi, je n'ai pas d'explication à ça. C'est parce que je pense que l'expérience dans l'incarnation de la matière a été voulue comme ça. Et qu'elle est essentielle à l'équilibre de l'univers. Donc, nous ne sommes pas des êtres qui sont arrivés comme ça sur Terre. Nous sommes, en tant qu'humains, en haut de cette pyramide qui doit respecter les lois de l'univers. Alors, il y a, vous savez, c'est vieux, mais je vous ai parlé des fentes de Young. Les fentes de Young, c'est en fait, on a balancé une particule de matière, un photon de la matière, hein, c'est la lumière, hein, c'est de la matière, et ça a été une révélation, la matière s'est séparée en deux, et si vous voulez, était intacte à gauche ou à droite, comme s'il y avait une division.
Dans le quantique, tout est intriqué. Donc, c'est là que c'est magique. Qu'est-ce qui va au-delà de la lumière ? C'est l'information. L'information, c'est immédiat, paf, etc. Donc, tout, nous sommes des êtres informationnels et on a un double, quelque part, informationnel. Ce qui fait que dès qu'il nous arrive quelque chose, le double est au courant et réagit plus vite que la vitesse de lumière, instantanément. Quand je parle d'un double, je parle d'une énergie, hein. Je parle de quelque chose qu'on ne peut pas palper, mais ça peut être présent partout, et en tout cas, ça va réagir instantanément. Alors, on a le maître sur Terre, c'est l'ADN. C'est l'ADN. Et là, je vais vous raconter une expérience qui a été faite dans des tubes. On a mis dans des tubes un fragment d'ADN humain. Et il était vide, un tube vide, hein, le plus vide qu'on puisse faire, et on a mis de la lumière dedans. Et il s'est trouvé que cette lumière sans l'ADN était une lumière, donc particule qui était désordonnée, qui a eu un comportement de matière comme elle doit avoir un comportement de matière. Elle a respecté son comportement de matière, anarchique, enfin, en tout cas avec un certain ordre. Quand l'ADN a été mis, eh bien, les molécules de matière se sont organisées autour de l'ADN et ont pris une certaine forme. Donc, l'ADN humain, c'est la baguette magique, c'est le « là » de la Terre, c'est ce qui donne le ton. Et il y a un ADN physique, un ADN photonique, un ADN, je dirais, lumineux. Il faut savoir une chose, c'est qu'ils ont retiré l'ADN de ce tube. Donc, plus de présence physique de l'ADN, et les molécules, les photons, sont restés organisés selon le chaînon d'ADN. Ce qui veut dire que tous les êtres humains qui nous ont précédés sur cette Terre, même s'ils ont disparu dans la matière, ont laissé leur ADN. Nous sommes entourés de milliards et de milliards de consciences. C'est pour ça qu'on a ce poids, c'est pour ça qu'on est avec le sens, un certain sens de l'histoire, que les élites se plaisent à manipuler, parce que si on vous coupe de votre histoire, on vous coupe de votre force et de votre capacité à vous mener vous-même. Hein. Donc, voilà, autour de nous, il y a des choses qui sont invisibles, mais qui sont le monde, et qui laissent des traces. Et ça, c'est difficile à comprendre, et on va le voir dans le petit film à la fin, je vais essayer peut-être de raccourcir parce que ça peut être très long sinon, parce que en fait, on n'est pas préparé à ça. Mais par contre, vous avez tous admis que quand vous envoyez une image de votre ordinateur, elle arrive à 10 000 km en une microseconde. Ça, c'est admis, mais le fait qu'il y ait un champ informationnel autour de nous, sur lequel les élites travaillent et puissent surfer, ça n'arrive pas à être concrétisé par vous. C'est normal parce qu'il faut le mentaliser, en fait. Et on va voir dans le film comment ils font. Voilà. Que dire ? Tout, si vous voulez, tout est champ électrique et magnétique. Pas tout est champ. Tout est soumis à des champs électriques et magnétiques. Et l'organe, qui a 5000 fois plus de champs magnétiques que le cerveau, 5000 fois plus, c'est le cœur. L'organe qui a 1000 fois plus de champs électriques que le cerveau, c'est le cœur. Dans le cœur, il y a des neurones. Ça, personne ne vous le dit. Les neurones, allez voir. Même Wikipédia, vous pouvez voir, il le marque. Si on analyse ces neurones, même ceux du cerveau, et que l'on capte ce qui était censé être du vide, et ça a été maintenant montré, qu'on prend une image de ce vide, on va voir que dans ce vide, le champ informationnel est une arborescence typique qui est stricto sensu la même chose que le schéma neuronal humain. Et je repars sur l'hologramme. Voilà comment nous sommes faits. Chaque particule de l'univers contient toutes les informations. Certaines informations deviennent matière. Et cette matière est incarnée de toutes ces informations.
Et à partir de ce moment-là, quand on sait ça et qu'on veut mener le monde, il suffit de modifier ces informations. Le basculement qui va s'opérer là est un basculement définitif. C'est les élites avaient gagné et elles ont perdu. Nous aurions été esclaves toutes les générations à venir, à vie, enfin à vie, jusqu'à ce que la Terre s'éteigne, parce que leur but était de modifier ces lois d'univers, modifier notre ADN et empêcher ce saut quantique. Ce saut quantique, il a lieu, il n'a pas lieu dans les conditions optimales, ils n'allaient pas nous laisser faire. Et je dirais que ma vision de la fin de l'histoire, elle ne va pas vous plaire, elle ne va pas vous plaire, mais j'y peux rien, c'est comme ça. On gagne, ça c'est le principal. Mais ils s'en vont, mais pas comme vous pensez, c'est-à-dire qu'on a tous imaginé, ils vont être jugés, etc., peut-être certains le seront. Mais moi, je vois, si on respecte ces lois-là, une espèce de grande concorde, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils auront toujours un pouvoir de nuisance, ils auront toujours des gens cachés, et il va falloir leur demander de partir, et leur accorder une espèce de pardon. Et ça, je sais que ça va être très compliqué, donc il faut encore du temps, surtout pour certains, parce que si l'amour remplace la peur et la haine, ça ne peut se faire que comme ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont réapparaître demain, je vous garantis qu'il y aura des solutions. Mais c'est ce qui s'est passé de manière mentale en Algérie, avec, vous savez, les événements d'Algérie, qui a eu en Algérie, donc les deux camps, les islamistes contre le gouvernement, et à la fin, il y a eu une concorde, et en effet, les bourreaux de chaque camp ne se sont pas pourchassés. Alors, c'est très difficile, mais voilà, c'est ma vision des choses, et je pense que ça peut se passer comme ça, mais ça demande un certain chemin, parce qu'il y a beaucoup de morts. Voilà. Alors, évidemment, j'ai bien écouté tout ça et c'est assez marrant parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que j'avais prévu de parler justement de comment gagner cette guerre, comment rester ancré. Et toi, tu as préparé cette émission avant que j'en parle et ça coïncide exactement avec ce que je disais en amont. Tu sais. Nous, tu sais, Antoine, on le vit, ça. Nous, on sait ouais, quoi. Ouais. Il y a un truc là qui bouge. Qu'est-ce que c'est ? Et moi, la technique. Alors, quand on a l'habitude de parler à cet univers, il nous obéit. Ne demandez pas à être riche demain, c'est pas comme ça que ça se passe. Pour plein de petites choses, il nous aiguille. Moi, j'avais préparé cette émission et j'aurais dû la faire il y a 15 jours, et puis il y a eu le convoi, etc. Et je l'ai fait aujourd'hui, Antoine me dit tiens, je vais faire une émission, pourquoi c'est long, pourquoi ça tarde? J'écoute, l'émission quantique, elle est là. C'est ce que. Et on arrive le même jour à parler de la même chose. Et là, j'avais un exemple tout bête. J'ai écrit une nouvelle chanson qui s'appelle. Il y a 3 mois, je l'ai écrite, en fait. Ça s'appelle Un nouveau monde. Alors, quand tu écris une chanson, normalement, dans le monde mental, bah, tu écris, bien, on fait la musique et on y va. Donc, non, j'ai écrit cette chanson Un Nouveau Monde, qui parle du Nouveau Monde, donc comme s'il existait déjà, hein, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut. Et en réalité, on va attendre. Et à un moment donné, est venue une mélodie dans ma tête, et j'ai chantonné cette mélodie. Donc, pour le coup, cette chanson, je suis auteur, compositeur, mais après, il faut encore trouver un type qui comprend ma mélodie, moi qui chante faux. Dans la semaine. Où je dis, j'ai la mélodie, je l'enregistre sur mon dictaphone, dans une manif, je rencontre quelqu'un qui me dit, Christophe, j'aimerais tellement faire des musiques pour toi. Bon, on sait qu'on avait déjà quelqu'un qui le faisait, mais il me dit, voilà, j'aimerais en faire pour toi. Et dans la même semaine, un ingénieur du son qui me dit, j'aimerais faire quelque chose. Voilà, donc la chanson, elle va sortir là bientôt, et elle a été créée. Elle a été créée il y a 3 mois et les choses se sont coordonnées pour qu'elle sorte dans 8-10 jours. Voilà, ça c'est le monde du cœur, c'est le monde... Et alors, je rajouterais, si tu permets, c'est que le jour où tu m'as dit ça... Marilyn, oui, pardon, excuse-moi. Alors, Marilyn. Le jour où tu m'as dit ça, c'est la vrai. Veille, c'est vrai. Une c'est vrai. De nos membres, Marilyn, que je salue, me dit, moi je chante,
si je peux aider, c'est un message qu'elle m'a envoyé et que je vois dans mon truc. Je dis, tiens, Christophe, il me parle de ça. Je dis, oh, bah, tiens, comme par hasard, hier, j'ai vu un message de Marilyn, voilà, on ne dira pas son nom pour l'instant, mais de Marilyn qui propose de chanter. Donc, Christophe, si tu as quelque chose, il me dit, oh, bah, justement, j'allais t'en parler, bah, j'ai fait une nouvelle chanson. Je dis, bah, tiens, je te mets en contact, et puis, bah, quoi, bah, c'est elle qui la chante. Ouais. C'est ça. C'est ça. Et Antoine m'envoie le vendredi, je me dis, ah, il me faut une voix féminine, mais très précise, là, vraiment une chanteuse. Hein. Et le samedi, il me dit, tiens, j'ai reçu ça. Et vous voyez, c'est des choses. Alors, ça arrive. Vous savez, selon les émotions, ça c'est vrai, l'ADN, il se tend ou il se détend. Donc, il se détend quand on est cool, vraiment physiquement, hein, et il se contracte. Quand ça va pas. Je pense qu'Antoine et moi, on a un ADN qui se détend pas mal. Oui, oui. Comme je vous dis, c'est vraiment l'ADN, c'est vraiment c'est le maître étalon, c'est vraiment la chose informationnelle qui peut créer un nouveau monde. Enfin voilà. Et donc, je pense qu'on a un ADN qui se détend. Et en fait, c'est comme l'air, si vous voulez. L'air, on sait qu'il existe. On sait qu'il existe. Personne ne peut le nier. Si je fais ça, je vais sentir qu'il existe, mais est-ce que j'ai besoin de mouiller mon doigt pour savoir qu'il existe ? Ben non. Arrêtez de croire à ce qui est physiquement représenté et représentable, puisque la solution n'est pas là-dedans. Ça, c'est la case dans laquelle on vous a enfermé. Ça n'empêche pas que les réponses du cœur et les réponses spirituelles peuvent permettre de jouir de la matière. Il n'y a aucune... Je dirais, il n'y a aucune incompatibilité. Mais ça permet d'en jouir avec du recul, hors de l'état d'hypnose, et avec une tempérance qui va faire que vous n'allez pas faire de mal à autrui. Voilà, c'est le principal, parce que souvent dans la matière, dans le mental, les gens se disent, de toute manière, moi, pour être en haut de la pyramide, il faut que j'écrase les autres. On vous ouais, regarde. Ah, merci ma chérie. Et voilà, et super rencontre, c'est fluide, voilà. Bon, tu veux chanter? Oui, il n'y a aucun problème, boum, boum. Et ça se fait, si vous savez comme les choses sont simples, en fait. Quand on croit à ces choses-là, elles viennent à vous. Si vous n'y croyez pas, c'est que votre autoroute pour y aller n'est pas fluide. C'est que vous n'y croyez pas, en fait. Voilà. C'est ça. C'est pour ça que je me hâte à dire tout le temps, ayez la foi, restez ancré, il faut y croire. C'est comme ça qu'on crée l'énergie de demain, la vie de demain. C'est vachement important. Voilà, c'est ça, et c'est voilà, il ne faut pas ignorer le modèle original que nous sommes. Il y a une chose qui est importante, et ça, on va parler de choses physiques. Ils ont mis dans les années 60 à Princeton, l'université de Princeton, ils ont mis à 1000 km d'écart 40 appareils électroniques, on va dire, qui captaient un tas d'informations de la Terre. Ça peut être des vibrations, météo. Enfin, il y avait vraiment un tas d'informations. C'est vérifiable, c'est à Princeton, ça s'est fait. Sachez, ils auront toujours 24 heures d'avance sur nous avec ce genre de dispositif. Vous savez pourquoi? Parce que le 10 septembre 2001, donc la veille du World Trade Center, quelle que soit la nature de cet événement, tout s'est affolé. Ça veut dire que nous, dans notre inconscient humain, 24 heures avant un grand événement, on le sait. Et eux ont des capteurs pour ça aussi. Ils ont des capteurs, donc ils savent 24 heures à l'avance globalement quand il y a des. Quand nous. Quand, si vous voulez, ils se branchent. Je ne sais pas comment. Ils se branchent sur nous, en fait. Et le problème des plupart des gens, c'est comme ils sont perdus, on a besoin d'énergie. On se dit, ah, je suis en manque d'énergie. Sachez que ça, ils le provoquent. Quand vous êtes en manque d'énergie, vous branchez, c'est l'image, sur la première prise électrique venue. Et la première prise électrique qui est venue, c'est eux. Vous vous branchez sur leur mental, sur leur conscience, vous vous branchez sur leur flux d'informations. Sachez vous brancher sur vous-même. Et on a tous des baisses d'énergie. Donc, c'est vrai que par défaut, quand on a moins d'énergie, on va essayer de chercher des ressources. Et les premières ressources qui viennent à nous, ce ne sont pas les nôtres. C'est les leurs. Et les leurs sont complètement pourries, vous le savez. Donc, on est en permanence branché sur ce qui nous imprime,
dans ce grand éther. L'éther, on va avoir un exemple. Restez. Alors, ça aussi, hein. Voilà. C'est marrant parce que. Pareil. Ce film m'est arrivé comme ça. Et je t'ai dit, tiens, ça peut coller peut-être avec ce que tu dis. Et il me dit, bah, parfaitement. Voilà. Donc, on est connecté, hein, frérot. Donc, on va terminer sur ce film, mon Christophe. Et puis, je mets le film et puis on terminera. Le live sera fini après ce film. Donc, on va dire le dernier mot maintenant parce qu'il est un peu long. Et puis, on doit respecter les 3 heures maximum. C'est ça. Il fait à peu près 12-13 minutes. Donc, on va terminer sur ce film. Et puis, je vais donner ton mot de la fin, mon Christophe. Eh bien, moi, je vais rebondir sur le convoi, le fameux convoi. Alors, juste une info, levée de l'état d'urgence au Canada, ça vient de tomber, donc on est bien, ok ? Bravo les Canadiens, bisous la famille, bravo. Donc je te laisse ton dernier mot. Je vais faire la jonction entre le cantique et le convoi, il y a ceux qu'on voit et il y a ceux qu'on voit pas. J'adore, magnifique. Merci Christophe, je te fais un gros bisou et puis la semaine prochaine pour une autre émission. Voilà, et regardez ce film, c'est très très important, vous allez apprendre. Très intéressant, effectivement. Bisous Christophe. Bisous. Ciao, ciao. Voilà, alors je vais vous laisser avec le film en mode jingle si vous voulez, mais regardez-le, il est vachement intéressant, et puis moi je vous retrouve avec grand plaisir vendredi soir, oh punaise, il y a quelque chose là qui se passe là, oh là, il y a un fantôme, je vous retrouve avec grand plaisir vendredi soir, même heure, même mec, même endroit, en attendant, soyez sages, mais pas trop, et surtout, soyez heureux. Et là, on est bien. Moi, je vous le dis, on est très, très, très bien. On est très, très bien. On est très, très bien. Allez, bisous. Bisous, la famille. On vous aime. À vendredi. Ciao. Comme vous le savez probablement tous maintenant, l'objectif principal d'Einstein avec ses théories sur la relativité, et j'insiste sur le mot théorie, était d'éliminer l'idée bien connue et bien documentée qu'il y avait une substance, l'éther, qui imprègne chaque chose et chacun d'entre nous sur cette Terre, et qui est essentielle pour comprendre la véritable nature de notre réalité. Ce n'était bien sûr pas ce que l'élite contrôlante voulait, parce que l'éther était et est toujours absolument libre d'accès si vous avez le bon équipement. En passant, le mot équipement vous inclut vous-même. Mais qu'est-ce que l'éther ? Regardons sa définition dans le wiki du « j'y crois » ou « j'y crois pas ». Selon la science antique et médiévale, l'éther était aussi appelé « quintessence ». Ce qui veut dire le cinquième élément, et est le matériau. Alors, j'ai un petit bug apparemment sur la vidéo, c'est bizarre, je vais regarder ça tout de suite. Désolé, ça arrive, hein. T'as vu là, la famille, comment que c'est. On va remettre la vidéo, voilà, et je vous la remets tout de suite, en espérant que ça charge, parce que... j'ai peut-être un problème de réseau. Bon, si le réseau tombe, c'est qu'on est bien. Hein, voilà. Allez, je vous la remets tout de suite. ...qui remplit la région de l'univers au-dessus de la sphère terrestre. Ça, c'est la définition Spaceball. Ainsi, depuis que les divagations messoniques infâmes d'Einstein ont été publiées en 1905, l'idée d'un éther a été reléguée dans les coins sombres et poussiéreux de la recherche historique ratée, et par la suite intentionnellement oubliée et supprimée. Mais était-ce vraiment le cas? Ce n'est pas une coïncidence si le plan, ce plan net sur lequel nous vivons, s'appelle Earth, qui est un anagramme de l'éther. Pourquoi les anciens trouvaient-ils si important de nommer ce sur quoi nous vivons d'après quelque chose qui n'existe pas? Saviez-vous qu'AOL, America Online, le précurseur de Messenger, s'appelait AIMNA,
AIMNA, ce qui signifie Réseau intelligent de messagerie d'architecture éthérique, et était la propriété de Aether System Incorporation. C'était aussi surprenant de nommer une technologie et une société d'après quelque chose qui n'existe pas. Comme nous le savons aussi, ils adorent cacher des choses à la vue de tous en nous disant ce qu'ils font de manière subtile. Donc, regardons de plus près la plus grosse société Internet et cherchons quelque chose sur Google. Ça, c'est probablement pas un bon exemple. Et voilà, juste là. Dès la création de Google, cette petite pépite d'information a été visible en permanence sur chaque requête de recherche. Mais que cela signifie-t-il réellement? À la seconde où vous pressez le bouton Search sur Google Search, votre requête débute son long voyage vers la Silicon Valley et revient. Depuis votre ordinateur, elle passe par votre routeur ou par la prise murale, et à partir de là, elle traverse sur sa route de nombreux fournisseurs de services Internet, de serveurs, de réseaux backbone nationaux, sous l'océan Atlantique, via des câbles, puis à nouveau à travers de nombreux serveurs, avant d'arriver à Google Services à Silicon Valley, où elle va passer, au crible, des trillions de documents, trouver des millions de réponses, les collecter dans l'ordre, les regrouper en paquets, et les renvoyer. Tout ceci en une demi-seconde. C'est très impressionnant, mais aussi assez improbable. Tout le voyage aller-retour de 11 000 miles de ma requête ne prendrait qu'une demi-seconde seulement s'il y avait un seul câble non interrompu entre chez moi et la Silicon Valley, ce qui n'existe pas. Ce que la plupart des gens croient, comme je l'ai cru, est que la raison pour laquelle ces requêtes reviennent si vite est parce qu'elles sont dans la mémoire cache ou déjà sauvegardées sur les serveurs de votre ISP local. En réalité, elles sont seulement indexées par votre ISP local. C'est comme les fiches de catalogue de librairie qui vous disent où trouver le bouquin, mais pas ce qu'il y a à l'intérieur. On pourrait argumenter en disant que Google a des serveurs nationaux installés dans tous les pays, réduisant par conséquent le temps de transmission. Mais essayer une requête vers un site indépendant sur le serveur local d'un pays de l'autre côté du monde, cela ne prend toujours qu'à peu près une seconde pour obtenir l'accès complet. Considérant le nombre énorme de hubs, switch, de LAN, de WANs, de nodes, de serveurs de portails, d'ISP, de ponts, de protocoles et des milliers de miles de câbles que doit passer votre requête, une demi-seconde pour aller de l'autre côté du monde dans n'importe quelle direction et revenir, c'est proprement incroyable. Et selon mon humble opinion, hautement improbable à travers un réseau physique. Et Skype, parler en visuel à quelqu'un de l'autre côté du monde en temps réel, à travers tous ces hubs, ces switches et ces câbles océaniques avec très peu ou pas de latence, comment est-ce pratiquement possible? Seule la NASA peut magiquement surmonter une latence de 11 secondes quand un chœur chante en direct avec des astronautes sur la fake ISS. Les câbles de fibre optique installés partout dans le monde dans les années 80 représentent soi-disant la vitesse de la lumière, mais il leur faut des boosters ici et là pour éviter la détérioration du signal. Bien que la lumière star de la NASA, elle, voyage des trillions de miles, évitant les planètes, les galaxies, les astéroïdes et les champs de comètes, sans booster de rappel exigé. Une autre petite singularité est que l'Internet que nous connaissons aujourd'hui a démarré dans les années 70. À cette époque, on l'appelait l'Ethernet. Encore une autre de ces bluffantes coïncidences. Comme il est habituel dans nos recherches, retourner à l'époque des scientifiques libres et indépendants produira généralement la réponse cachée par nos institutions scientifiques corrompues. À l'époque où la pensée libre était chérie et non censurée. On peut trouver pléthore de vieux bouquins, de publications et d'études sur le luminifère éther, tous décrivant les propriétés élastiques, la densité, la vitesse, etc. Mais qu'en est-il des éthérons?
Mon sentiment, exactement. Pour pleinement comprendre le concept des éthérons, ce livre, dont le lien est en description, doit être lu et compris. Une tâche intimidante, je pourrais ajouter, mais il nous montre la vitesse de ces petites créatures. 1,57 fois la vitesse de la lumière, dont le cerveau galactique d'Einstein nous a dit que rien n'égalait sa vitesse dans l'univers. Maintenant, la vitesse fantastique des communications instantanées mondiales devient plus claire. Maintenant, le concept de physique quantique devient aussi plus clair. Deux choses peuvent exister à deux différents endroits en même temps, est-il suggéré. Cette théorie n'a jamais bien résonné en moi. Mais si le temps que prend un signal pour se déplacer à travers l'éther est si infinitésimal dans sa durée, alors il semblerait qu'il y ait bien coexistence. Donc maintenant, le voyage de notre requête Google de 11 000 miles ne prend seulement que 0,00001 seconde. Mais ajoutez quelques hubs locaux, quelques nodes, ainsi que le routeur bon marché à qui j'ai dit, et vous êtes maintenant beaucoup plus près de la demi-seconde qu'il nous montre. Donc, si on peut transmettre sans couture et de manière autonome à travers l'éther, alors pourquoi tous ces réseaux et tous ces câbles? Pour la collecte de données et le contrôle. Vous n'imaginiez quand même pas qu'ils allaient nous laisser communiquer en privé. L'Internet est juste un outil pour rejoindre, utiliser et organiser l'éther. La technologie éthérique est parmi nous depuis des décennies et a été utilisée par tous les big tech pour un gain financier extrême. N'avez-vous jamais su qui appelait avant de décrocher le téléphone? N'avez-vous jamais ressenti que quelqu'un proche de vous avait des problèmes? Et qu'en est-il du chien qui sait toujours à quelle heure il faut se balader? Oui, l'exemple du chien a été scientifiquement étudié. Dr. Robert Sheldrake appelle cela les champs morphiques, ou la science de la morphogénétique, ce que nous proposerons comme rien de plus qu'un luminifère éther en action. Pensez à ceci. Combien de fois les appels de votre cell phone sont perturbés, subissent des micro-coupures ou se coupent suite à la perte du signal? Combien de fois cela se produit, malgré que vous soyez en train de parler à votre ami situé à 300 mètres de vous? Et pourtant, en fond de décor, vous streamez un film en HD 4K avec 6 canaux audio Dolby sur votre ordinateur, sans aucun glitch et d'une qualité stupéfiante. Votre cell phone utilise des tours cellulaires que l'on voit placées ici et là. Votre routeur, par contre, lit et écrit directement dans l'éther. Le nombre de données pour un simple appel téléphonique n'est qu'une petite fraction du transfert de données nécessaire pour streamer un film HD en temps réel. Donc, pourquoi l'un est si bien et l'autre pas tout autant? Deux systèmes différents. L'un utilisant la technologie des fréquences radio sur le réseau physique, l'autre utilise de manière flagrante l'éther, juste sous notre nez. Avec l'avènement des applications d'appels téléphoniques comme Skype, WhatsApp, Viber, etc., nous avons vu le transfert graduel de services passer d'une communication basée sur le réseau physique à une communication basée sur l'éther. L'avez-vous jamais remarqué que quand vous avez une bonne connexion sur ces applications, la qualité est bien meilleure que les vieux appels? De temps en temps, on a l'impression que la personne est dans la pièce d'à côté. Dans l'essence, ou la quintessence, elle y est. Si les big tech le savent, alors qui d'autre le sait et qui d'autre l'utilise? Ne vous êtes-vous jamais demandé comment faisait l'USGS pour détecter l'épicentre d'un séisme au milieu de nulle part ou à des milliers de miles au milieu de l'océan avec une précision extrême? Où se trouve ce vaste réseau global de capteurs et d'échelles transcrites qui peut détecter de petites secousses en n'importe quel point de notre vaste terre verte et plate, et nos puissants océans? Ces événements sont directement lus dans l'éther grâce à une technologie qu'ils nous ont très, très sévèrement cachée.
Retournons à ce cerveau galactique et à son objectif principal. Einstein a été loué comme étant le plus grand esprit scientifique ayant jamais existé, car il a fait exactement ce que ses maîtres maçonniques lui ont dicté de faire, en rejetant la réalité de l'éther, en faveur de ses théories imbuvables. Pour le grand plaisir des élites, qui pouvaient maintenant faire ce qu'elles ont toujours fait avec toute la richesse et l'abondance de sources d'énergie libre, le vendre.